Ravie de vous savoir nombreux sur Gbonamé TV. Cher peuple de Dieu, bonjour et bienvenue. C'est ici que ça se passe tous les dimanches à partir de 11h, la messe dominicale. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, nous recevons pour la célébration de cette Eucharistie Son Excellence Monseigneur Théodose Mubedji, évêque du diocèse de Porto-Novo. Il sera également assisté par les révérends Père Wilfried Pingla, curé de la paroisse Saint-Christophe d'Alada, et Luc Vissot, vicaire de la paroisse Saint-Christophe de Didier. L'animation sera assurée par la chorale à Djougan du doyenné Saint-Michel de l'archidiocèse de Cotonou. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur YouTube et d'aimer et partager nos publications sur Facebook. Nous vous souhaitons alors une très bonne prière et à tout de suite. Nous sommes rassemblés en ton nom d'abord, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. La grâce de d'abord Dieu le Père, en communion avec l'amour de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, le Christ notre Sauveur, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Fais-nous miséricorde, d'aille nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux, de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Thank you.
le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant et pour les siècles sans fin. Le dénouement, le danger, le glaive,
Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dabo qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Parole de Dabo, Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu d'Agbovi. Chapitre 14, les versets 13 à 21. En ce temps-là, quand notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus, frère jumeau du pape Chrysostome XVIII, après la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, notre Seigneur et Sauveur Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais notre Seigneur et Sauveur Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui dirent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus dit, apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction.
Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dabo, Dieu Tout-Puissant. Vous allez vous asseoir. Dagbovi, frères et sœurs, bonjour. Comment vous portez-vous? Nous devons rendre grâce à Dagbo, n'est-ce pas? Avant de commencer tout propos, je voudrais chanter l'amour. Voulez-vous? Oui. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné joie et lumière dans nos vies. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné joie et lumière dans nos vies. L'amour est patient, l'amour en service, l'amour n'est pas jaloux, il ne se vante pas, l'amour ne passera jamais. Eh oui, l'amour du Seigneur nous a réunis, n'est-ce pas cela? C'est cet amour-là qui nous parle à travers le prophète Isaïe. Et il dit exactement ceci. Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, buvez sans argent ni paiement. Il dit, demandez des grains et mangez. Il ajoute ceci, à quoi bon de dépenser tout son argent pour la nourriture qui n'existe pas? Votre labeur pour ce qui ne rassasie pas. Alors, à travers ces propos du prophète Esaïe, on voit que Dieu invite son peuple à se nourrir de sa parole. On ne le dira jamais assez, la parole de Dagbo nourrit l'âme. Mais aujourd'hui, il se trouve que l'homme focalise toute son attention sur la nourriture qui nourrit juste le corps. Or, le corps va périr, mais l'âme ne périra pas. Mais alors, lorsque Dagbo vit que nous sommes, même en général chrétien que nous sommes, car tout homme est créé à l'image de Dieu, bien sûr. Et toutes les créatures sont ses enfants, même s'ils ne le veulent pas, même s'ils ne le savent pas. Alors, si l'âme qui devrait être nourrie de la parole de Dieu, nous la privons de cette parole-là, eh bien l'âme sera chétive. Et nous allons nous croire vivants,
mais nous serions morts déjà sans le savoir. Et apparemment, nous serions des morts vivants. Alors donc, l'amour de Dieu a retenti par le prophète Isaïe. La nourriture et encore la nourriture. C'est tout ce qui intéresse l'homme. Alors, dans la deuxième lecture, de quoi il s'est agi? Qui peut me le dire? Qui peut se rappeler de quoi il s'est agi? Dans la deuxième lecture, il s'est agi de quoi? Oui? Très bien. En fait, je viens de chanter l'amour. Mais alors, dans la lettre de Saint Paul aux Romains, on nous dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la faim, les persécutions, le glaive, et j'en passe. Or, vous comprenez, chaque fois que Dieu vient parmi les hommes, il n'a de récompense que la maltraitance. Hier, d'abord, était là, par l'entremise de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les hommes l'ont malmené. Il a été maltraité jusqu'à être mis à la croix. Voilà qui nous sommes. Alors que, pendant que le Seigneur Jésus accomplissait son œuvre messianique, il guérissait les malades. Il guérissait les lépreux. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour le bien de son peuple. En vérité, il faisait tout ce qu'il a reçu de son père, Dagbo, qu'il avait envoyé. Et voilà qu'il se trouve qu'encore aujourd'hui, Dieu, que nous avons marginalisé, et comme le disent les Écritures, la pierre rejetée par les bâtisseurs, a été la pierre de l'angle. N'est-ce pas? N'est-ce pas cela? Et voilà qu'il se trouve que le Père même est là. Il est dans la chair. Et malgré ça, malgré toutes ces œuvres qu'il a accomplies pour montrer au peuple du Bénin qu'il est là, l'homme ne voit qu'un être humain. L'homme ne voit qu'une petite fille. Or, ce qui est un peu gênant, quand on fait une petite analyse, on voit qu'hier, quand Jésus était apparu, quand notre grand frère, notre sauveur était apparu, c'est le même traitement. Ce n'est pas le petit enfant là. L'enfant qui cheminait souvent avec Joseph, ce n'est pas lui ça. Et aujourd'hui, Jésus est Dieu. Allons nous dire qu'il en sera aussi de même pour Dagbo. Demain, plus tard. Il semble que l'histoire se répète. L'histoire se répète là. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit que la petite fille parfaite qui est dans la chair. N'est-ce pas? Et les dagobies aujourd'hui sont objets de toute maltraitance, de toute persécution. Oh, que de souffrances n'avons-nous pas subi quand Dieu a pris chair. C'était comme si nous avions tort d'avoir choisi ce Dieu-là qui est venu restaurer son humanité. Nous, hommes, nous devons réfléchir, car l'heure a sonné. Aujourd'hui, lorsque Dieu a pris chair, il a dit exactement ceci. Je suis venu restaurer l'humanité. Et mon objectif principal, c'est la destruction de Belzéboul et ses suppôts. Ici appelle, ici emploie. Les Dagobies aujourd'hui sont témoins vivants et oculaires de cet événement-là. Oh, cela me ferait mal si je n'étais pas en vie. Quel sens avons-nous? Quel sens l'humanité a de voir Dieu qui a créé le ciel et la terre se rendre petit? Nous avons beaucoup de choses que nous ignorons la valeur, dont nous ignorons la valeur,
Dieu infiniment grand, infiniment petit. Il est dans la chair. Il est dans la chair. Et donc, par rapport à l'évangile, que s'est-il passé? Après que le Seigneur a pris la mort de Jean-Baptiste, il a pris la barque pour aller se mettre à l'écart, pour prier, communiquer avec d'abord son père. Chaque fois qu'il devait accomplir l'œuvre pour laquelle d'abord l'a envoyé, il va se recueillir. Alors, à travers cette partie-là simplement, on nous montre la nécessité de la prière. Pour tout ce que l'homme doit entreprendre, il faut se ressourcer, aller vers Dagbo. Aujourd'hui, nous avons une chance. Dieu est là. Il nous l'a même dit. Je suis là 200%. Ceux qui y croient et qui mettent ça en application, ils voient la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus, de l'autre côté de la rive, les foules ayant constaté qu'il s'en est allé, se sont dépêchés d'aller vers lui. Pris de pitié pour elles, il a commencé par travailler. Il leur prononçait des bénédictions. Il guérissait les malades. Il guérissait les lépreux. Donc, aujourd'hui, Dieu notre Père aussi est dans la chair. Ce qu'il a donné à notre Seigneur Jésus de faire, il accomplit aussi de nos jours. C'est une marée humaine qui est à Gbanamé, qui vient se ressourcer à l'eau vive. Cette eau dont a parlé le prophète Isaïe. Aujourd'hui, pour finir, nous d'Agbovi, nous sommes interpellés. Parce que nous devons mener une vie digne. Une vie qui plaise à Dieu. Car il a plu au Seigneur de nous appeler petit reste d'Israël. Alors s'il en est ainsi, demandons-lui la grâce. Un peu comme ce père français, Charles de Foucault, qui dans une posture d'abandon total, a fait la prière que voici. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre. Je remets mon âme en tes mains, je te la donne. Car c'est pour moi un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Que Dagbo nous accorde toutes les grâces nécessaires pour l'élévation de notre âme, afin que nous puissions être dignes de porter ce nom-là, le Saint Peuple de Dieu, le Petit Rêve d'Israël, au nom de Dagbo qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je crois en Dagbo, Dieu le Père Tout-Puissant. Se manifester au petit maître d'Israël.
Donnez-leur vous-même à manger. Demande Fofo Jésus à toutes celles et ceux qui se réclament de l'Évangile. En réponse à son appel, présentant à Dagbo les besoins des gens qui, partout sur la planète, veulent vivre plus humainement, plus dignement. Donne à tes pasteurs d'être pasteurs selon ton cœur. Renouvelle en eux la grâce du don total. Qu'ils sachent guider ton peuple, le nourrir et lui faire entendre la parole de vie. Dagbo, nous t'en prions. Miro de Dagbo et là. La répartition des richesses de notre terre, Dagbo, nous te prions. Miro de Dagbo, et caritative, une disponibilité plus grande encore et envoie auprès d'eux d'autres bénévoles qui les aideront à remettre debout tout ce que le poids de la souffrance apporte. Dagbo, nous t'en prions. Dagbo, Dagbo, Dieu notre Père, toi qui nous nourris de ton pain et de ta parole, soutiens nos efforts pour que se déploie partout dans le monde la bonne nouvelle de ton salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui qui règne pour les siècles sans fin. Oh.
Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute la très sainte Église. Dans ta bonté, d'abord, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Fofo Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Préparons notre cœur. Notre cœur appartient au Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour notre Dieu. Vraiment, Dieu éternel et tout-puissant, Dagbo, il est juste et très bon de te glorifier, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. Toi, notre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur et Sauveur, ton Fils unique, Fofo Jésus-Christ, tu mets en œuvre ta puissance pour nous secourir, nous les humains, dans les moments de grande souffrance et de peine, et nous montrer combien de fois tu es grand. Oui, Dagbo, nous le reconnaissons. Tu ne nous abandonneras jamais à la mort, mais bien au contraire. Tu as pris cher pour nous sauver des griffes de ceux qui peuvent tuer le corps et non l'âme. Ainsi, notre existence ne sera plus périssable et notre vie sur cette terre deviendra un passage vers le plein salut. Par ton même Fils, notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, donne-nous de te connaître davantage et que dans les moments de difficulté et de peine, notre foi ne vacille jamais. C'est pourquoi, heureux d'être tes enfants bien-aimés, parce que choisi par toi-même, Dagbo, nous unissons nos voix à celles de toute la cour céleste, des esprits bienheureux, et nous proclamons sans fin que tu es saint. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Nous te prions, Dagbo. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ta grâce, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Fofo Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et les yeux levés vers Dagbo, son père et notre père, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas,
Il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau, te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de Dagovis qui seront choisis en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons d'abord le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par toi-même, Dagbo, en un seul corps. Souviens-toi, Dagbo, notre Dieu, de ta très sainte Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton vicaire et frère jumeau de Fofo Jésus, le pape Christophe XVIII, ses collaborateurs directs, les cardinaux, les évêques, représentants de ton vicaire dans les diocèses ou non, en particulier ton serviteur Luc Junior et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les âmes du purgatoire, les morts-nés, les Dagovis qui ne font plus partie de ce monde, tes serviteurs qui nous ont déjà quittés. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Dago, Dieu de bonté et de miséricorde. Et sur nous tous, Dagovi, ici présents, nous implorons ta bonté sur l'ensemble des intentions de tes enfants ici réunis ce matin. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction sur toutes les intentions de cette célébration eucharistique. Permet d'abord qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dagbo, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. À qui reviennent tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Comme l'avons appris du Sauveur et de son Père et notre Père Dagbo, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux et sur terre, et à Baname avec nous. Que ton nom soit sanctifié comme depuis les origines. Que tu sois notre roi comme tu es celui des saints du paradis. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déverse en nous tes grâces pour qu'elles supportent tous ceux dont tu nous as déjà comblés.
Donne à nos frères le pain quotidien comme tu nous en donnes. Pardonne-leur comme tu nous pardonnes. Et délivre-les de tout mal comme tu nous délivres. Et épargne-leur de toute tentation comme tu nous en épargnes. Et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Délivre-nous de tout mal, d'abord notre Père. Délivre les Dagobis ici présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles. Délivre-les de toutes sortes de maladies, même incurables, des envoûtements, des mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pieds de sapin, de ses suppôts. Fais-nous la grâce de la santé de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Donne la paix à toutes les nations. Donne la paix à la nation béninoise et à ses dirigeants. Donne la paix aux Dagobis. Donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes les activités qui t'honorent, bénis leurs familles. Accorde du travail au chômeur et la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, libère-nous de l'aveuglement du péché. Libère-nous de l'endurcissement du cœur. Et rassure-nous devant nos ennemis, nos persécuteurs en cette vie où nous avons foi en toi, en ta puissance, et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Fofo Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ceux d'hier et d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos infidélités. Ne regarde pas nos transgressions de ta loi. Ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques de miséricorde et nos manques d'humilité. Mais la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Amen. Que la paix de Dago, notre Dieu, soit toujours avec vous. Et avec vous. Chers frères, chères sœurs, Dagobis, dans la charité et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donnons-nous la paix. Fils et filles bien-aimés du Seigneur, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dago, Dieu notre Père, le Christ Sauveur qui enlève le péché du monde. Dago, je suis parti de recevoir ton Fils, mais tu seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang, ô Jésus le Christ, nous gardent et nous guérissent pour la vie éternelle. Amen. Et n'a pas trop vite.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Fofo Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, maman chérie. Pleine de grâce, la voie est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Fofo Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Action de grâce. Thank you.
Le Seigneur est avec vous. Que d'abord Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Bonne journée dominicale. Merci. Et que Dabo illumine toute votre vie. Amen.